Puis par la suite, la ligne 21 lorsqu'elle est passée en articulé en
30 août, les 200 à 218 ont rejoint majoritairement les lignes 26 et 28 et de temps à autre les lignes 29, 42, 43, même si pour les 42 et 43 c'était quand même relativement rare. Ce soir nous allons donc parcourir le circuit C. Vous avez les deux schémas de ligne qui sont dans le bus. Alors, il y a deux versions. La version qui est au fond du bus, c'est la version que nous allons faire ce soir, donc avec le détour par Saint-Joseph-de-Porterie au retour. Et puis à l'avant, vous avez la dernière version à Temple, avec un passage en aller-retour par la route de Saint-Joseph. Le circuit C existe depuis bien avant l'arrivée du tramway en 85. Il y a eu très peu de changements, on va dire, sur le circuit. Il a toujours fait plus ou moins donc l'axe Général de Loire, route de Paris, route de Saint-Joseph. Il y a eu quelques variantes au niveau de la desserte de l'Hérodière. Et puis le mois dernier, sur la desserte de Saint-Joseph de Porterie. Non, ça vient d'où ? Voilà, il y a une vidéo. Si. Ah ouais. Comme d'habitude. Je me disais aussi, je remarque qu'il fait pas une vidéo à l'intérieur. Alors ce soir, on roule plutôt tranquille. C'est pas secoue les passagers. Mais pour l'anecdote, les circuits qui partaient donc de commerce partaient sur ordre du PCC pour assurer les correspondances entre tous les circuits et les trois lignes de tramway. Pour assurer les correspondances, malheureusement, le temps que tout le monde arrive dans le bus voulu, les départs étaient la plupart du temps donnés avec un peu de retard, 5 à 10 minutes très souvent, encore plus parfois sur les derniers départs, et notamment le samedi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les départs suivants, les bus ne pouvaient pas repartir tant que les autres circuits n'étaient pas revenus. Donc un bus qui accumulait du retard sur son circuit va entraîner forcément un retard sur le départ suivant. Donc c'était pour la plupart des circuits, notamment le week-end, un peu une consigne pour la route. Surtout si le départ était donné en retard, généralement le bus roulait un peu vite et ça donnait une conduite un petit peu sportive. Ce que Guillaume conduit actuellement ne fait pas et il a raison. Au cours du voyage donc ce soir, il y aura deux arrêts en cours de route pour permettre à ceux qui sont intéressés de faire le bus en moto. Ça sera le cas donc à l'arrêt actuel, la Chanterie, qui correspond à l'arrêt Anne-Tempol, Christian Bock. Il y aura également un arrêt photo à l'arrêt Hérodière. En direction de commerce. Yes. Arrêt photo et Hérodière. En gros, je pense que c'est limite chez moi. Très attention en traversant, évidemment. Et on aura un bon moment pour le bus en photo. Nous devons se préparer. Non, ça va. Sauf que la plupart du temps, quand je conduis pas, je suis à côté du conducteur à distance. Là, je prends les 81 ou autre. Non, t'aurais dû me dire,
genre, ah non mais ça m'arrive souvent, ah, non, mais c'est un instant, je viens avec un oreiller, je peux poser sur mon volant. Non, non, non. C'est beau. Non, non, je prends le bus, je démarre, puis je cours à côté. Mais tu sais qu'ils ont fait ça aussi sur certains réseaux, ils avaient fait le challenge avec un bus. C'est mieux pour conduire, ça passe mieux. Ah ouais. C'est toi qui le disais. Tu disais que si du moment où ça passe mieux. Ah oui, bah après, en principe. Oui. En principe, une fois que ton premier empattement est passé, ça passe. Une fois que ton premier empattement est passé, t'as le reste qui passe. Ah oui. Mais le truc, c'est. C'est. Souvent, quand il en fait, c'est plus court. Ouais, on tourne à gauche. Logis 417, numéro 201, et comme je le disais tout à l'heure, le dernier bus acquis par l'association, on l'a eu très récemment, au mois de juillet. Là, t'avais pas une qui passait dans la journée, on parle au scénario. Mais parce que ton empattement et ton premier empattement termine, il est environ à 7 mètres. Tandis que. Donc malgré le fait que le 201 soit un bus usé aujourd'hui, il reste quand même encore quelques véhicules en circulation sur le réseau, notamment sur la ligne C4, mais aussi sur d'autres circuits scolaires. La particularité du 201, il y en a quand même une sur les 18 véhicules. C'est que c'est le seul GS-437 à avoir les trois sièges strapontins à l'avant sur la zone debout. Ouais. C'est une expérimentation qui a été menée lors de la rénovation à Kiwi, qui n'a visiblement pas été déployée sur le reste du parc. C'est le seul avec qui permet d'avoir quand même trois passagers. Sur le sur le
Non, en français. Moi, t'imagines si je devais faire ça. T'as rien pour lui. C'est la 44 basse poulaine. Si, 44, c'est cool. Si tu mettais pas de la poulaine, 44, pour ma thé, ça serait magique 24-5. Non, je m'en fais ce color 1. Non, non, mais c'est aussi la tenue de 44. Ça tenue, ce sont moi. Déjà, j'ai vu le sur le métro. Oui, j'ai un peu la vie. Vous voyez ce stade, vous voyez le club, c'est le stade de la Réunion. Moi je vois la lune, à deux stations. Mais de Gauchia et de Fassas. Voilà, voilà. Ça l'a fait pas tout. La lune, la tête et la casquette. Ça va, ça hier, on a tout fait par rapport à l'expérience.
je t'imite un peu. C'est un message. Jean-Marc, en fait le Agora L, le qu'on avait pris à Lille. Oui, j'ai remontré la vidéo tout à l'heure. Je l'ai renvoyé dans la combo, je m'entends. Mais c'est un Agora hybride. Oh, c'est quoi cette merde? Ouais, mais il passait même pas la vitesse. Il a passé la seconde juste en arrivant à l'arrêt. Un Agora L, le GNC, à Lille. Moi je sais pas pour la photo, parce que j'ai des photos mais avec des murs, tu vois, donc voilà, j'ai des photos que Ah mais
Bah, je crois qu'on retourne au rond-point là. T'es souhait ? Bonsoir, on va procéder au contrôle des tickets, s'il vous plaît. Oups, c'est une part, c'est quasiment vert, je pense. Bonjour monsieur, contrôle des billets. Vous avez pas votre billet ? Trois à chaque fois. C'est votre adresse. Billet train ? Exactement. Non, bonjour monsieur, contrôle des tickets. Oups, c'est chez moi. Et justement, je suis désolé parce que justement je rentrais chez moi pour chercher ma carte de bus. Je suis complètement désolé. Désolé, ça passe pas. Oh ma main, c'est lourd. Attends, je me mets debout. Voilà. Pardon. Ah, voilà. Ouais, pour le plan. Non, c'est pour la vidéo en plus. Est-ce qu'au pire je peux le rentrer chez moi ou... Limite, si tu veux une vraiment jolie photo, il faut utiliser le flash et ne pas le viser, genre viser par ici, ouais. Justement. Bon, on va les relaisser quand même. Novembre 2006. Ouais, je filme, oui. Bon, bah... Ah, marche avant. Pourquoi marche arrière ? Marche avant. Parce qu'on est bloqué, je crois. Bah voilà, le petit frein puissant, c'est écrit. Soyez prudent. Hein. Je veux pas dire, mais il y a un colis suspect là. Ah. Il y a un colis suspect, faut appeler l'équipe de déminage. Non, on va sortir. Ah, voilà. Mais au pire, on l'emmène au Ranzé, hein, et puis hop. Ah, bah, c'est pas moi. Bah, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont tous à mettre du colis suspect si on a. J'avoue, à Ranzé, hein, c'est étonnant. Sur la déviation. On va dire, t'as vu tout, j'ai tout rangé. Le paradis des colis suspects. Ah, c'est dans que la là. Ah, vous que la lumière. Parce que du coup, maintenant, le gars il change de siège chaque fois qu'on change de sens. Ah mais c'était c'est par là je crois, c'est ça. Bah, je pense que la mobilité à un moment donné. En rétro c'est vraiment pas évident. En rétro c'est pas évident. Non, je me doute. Ouais, c'est par là qu'il voulait passer. Bah, je pense qu'on va par là. Là, il se met en droit pour aller à gauche. Oui. Mais sauf que t'as l'air pas trop porté dans 50. Oui, justement. Il est où le panneau sens interdit ? Et Eric, il va juste y avoir la 69. Bah, c'est pressenti, ouais, après... Bah, moi j'ai les lourds, hein. C'est avec la 59. Ouais, j'ai oublié, on a pas eu des articulistes avec le temps. Bingo, 42 qui passe. Bah, il est là, le panneau. À mon avis, c'est avec Kéva, CDA qui l'aurait récupéré à 86.
pour acheter la d'habitude. Putain, ils ont mis comme ça à l'époque. Produit de l'erreur. T'inquiète pas, je coupe au montage comme le « Oh, il y a une passable là !» Ah oui, on prend la route de carte, c'est ok. J'ai la seconde intéressante dessus. Intéressant. Pas sur Willy, pourtant sur la 417. Ah mais ça sonne comme... Il fait plus le « tui » comme il faisait à l'époque. Non mais... Il faisait un bruit bizarre à un moment, relâchement de turbo, je pense. Ah, la dame. Gravé, vraiment. Comme ça, ouais. Sinon, après, il est dans son jus.
l'a eu un petit peu sale quand même. Ouais, ça, j'imagine. On arrive à peu près à le remettre à peu près bien. Parce que ouais, c'est vrai qu'il est propre. On nettoyait, on a passé un peu de temps, mais ouais, j'imagine. Parce qu'il est resté longtemps, en fait, il a été arrêté en 2000. Début 2017. Oui. Je me rappelle, il faisait de la bonne foi encore. Je crois qu'il a fini ça. Du coup, le moteur il était pas trop encrassé jusqu'au diesel. Non, non. Non, alors c'est vrai qu'il est resté un petit moment sans tourner. Alors il était stationné chez SDVI à Feutron. Donc forcément, dans le coin d'un terrain vague. Porte ouverte, toute la merde est rentrée dedans. Après, il a été stocké à la Verton. Ils ont fait le dépôt de 30 minutes, on a fait le nécessaire pour le remettre en circulation. Ah oui, d'accord. Le passe contrôle technique, puis ensuite, on vendre à l'Eurosyndic. Ça va. C'est plutôt correct. Il a deux pieds qui roulent, il a roulé sur différentes prestations, notamment. Pour un mariage, c'était baptême du feu. Hein. Pas eu le moindre problème. Toujours le petit coup de stress avant la presta. Surtout un bus, moi je me suis toujours méfiant, puisque un bus qui est resté longtemps arrêté, moi ce qui m'inquiète toujours, c'est le circuit d'air, parce que les flexibles d'air deviennent poreux. Ouais. Quand on les remet en pression, ça peut exploser, ça peut péter. Les 006, c'est ce qui s'est passé, il y a un flexible d'air qui a percé entre la liaison entre la porte 2 et la porte 3, il y en a un qui a pété. Ils sont en quoi, c'est pour les portes. C'est pour les portes. Ouais. C'est les portes électriques, mais c'est les portes. J'appelle ça des portes électro-pneumatiques. Ah oui. Parce qu'en fait, le fonctionnement est électrique, mais par contre, il y a un circuit d'air pour les purges. D'accord. Le bouton de décompression, c'est une commande pneumatique. D'accord. Qui va envoyer de l'air dans le vérin, débrayer la porte, et ensuite tirer le bâton. Mais sinon, le mécanisme de fonctionnement, ce sont des moteurs. Petit moteur de perceuse, on dirait. Alors en plus, les moteurs de porte ont été changés en 2016. Donc juste avant qu'ils soient réformés, ils avaient les 4 portes en premier état. Donc c'est vrai que nous, les portes, on n'a pas le moindre problème à ce niveau-là. Peut-être parce qu'il sentait que qu'il allait peut-être le reprendre alors. Non, parce qu'en fait, il était à vendre. À la base, ce bus-là était prévu pour CTR. Ah oui, ah ouais. Les premières idées, oui, il devait être vendu à 7h. Donc ça va mettre lui à la place de 214 actuellement. Ça ne veut pas dire qu'on aurait eu le 214. Après, je pense qu'il y avait un GX 417 qui devait nous être possédé. Après, c'est la Civitan qui a fait le choix par rapport à ces véhicules. Le 201 a été sélectionné pour ça. Ça change très très souvent tant que c'est pas acté, voilà. Mais dans les idées, c'était prévu pour cette fois. J'ai rien vu. Sur votre web préféré. Ouais. J'ai rien vu. Et en gasoil, du coup, ça dure longtemps le plein ou pas? Alors c'est un réservoir de 350 litres, donc ça dure, ça dure quand même, parce que là on a fait le plein aujourd'hui. Bon, là on l'avait pas fait encore. Ah. Depuis juillet. Ah oui. Alors je sais pas combien de kilomètres on a fait, parce que j'ai pas encore fait l'addition et puis le calcul de la consommation. Mais je pense entre 45 et 60 en mémoire large. Sachant qu'on n'a pas une conduite comme en exploitation, plutôt sur le rationnel. Oui, bah oui, voilà. On n'a pas les redémarrages après chaque arrêt à chaque fois, donc ça change un petit peu au niveau du profil. Alors, quand on a eu le bus, donc il était déséquipé chez SDVI, par SDVI. Tous les équipements embarqués, même les bandes aussi. D'accord. Il me semble que je les avoir vus en atelier d'ailleurs. Et dont ceux du 236, etc. On les a remis du coup. La Sintan nous en a fourni deux. On a remis la clé suivante à recabler. Ils nous ont aidé pour recabler ça. Ah, c'est ça. Et puis
ben, ça nous permet ben, d'avoir le fonctionnement du coup comme avant. Ouais. Sachant que mon 200 est équipé du SAE sur sa fin de carrière. Donc, ouais, les annonces nous, on n'aura pas de SAE, donc on a remis l'ancien programme en fait, d'affichage classique sans SAE, donc qui correspond à la GRF totale. Ah, mais du coup, pour te dire, ben, pour afficher les prochains arrêts et tout, c'est ça. On a un boîtier SAE, l'ancien boîtier SAE d'époque, qui est en fictif au tableau de bord. Ça s'arrête là. D'accord. Et on remettra la valise SAE sur le toit, au-dessus de la porte avant. On a avec la porte au RST. Pour l'anecdote, il y a du 429 qui avait encore. Ouais, c'est voilà. Des petits détails comme ça. Oui, on essaye de le remettre un peu dans son jeu comme il était. Au niveau de la livrée, du coup, il gardera celle-là. C'est la livrée qu'il a eu le plus durant sa carrière. L'ancienne, il a eu de 96 jusqu'en 2004. Donc il y a la skivrée, on a remis les virgules vertes sur le côté gauche. Je me posais la question par rapport au contrôle technique, là, les virgules maintenant. Ils nous embêtent pas pour ça. C'est le même cas de figure que le G67H. On avait posé la question. Voilà, est-ce que vous allez nous faire chier pour des AVC sur les véhicules de secours? Bon, non. On s'était signalé à une époque avant que ce soit envoyé à plat. Et puis, du coup, ils nous embêtent pas avec ça. On a une livrée complète parce que ça faisait dégueulasse. Ah bah son prix moche, ouais. Tu vois les Citaron C2 là, c'est n'importe quoi. Hein. Donc là maintenant sur les contrats techniques, ça a été un peu remis à plat en 2018 au mois de mai. C'est même plus signalé. Donc je vais poser la question, la décision de secours, non, ça n'a pas de problème. Exactement, une question. Oui, vous êtes une question de la première. Tu sais pourquoi ils ont mis la 93 sur le mode après la 67 pour assister à la 36? Je sais pas, la 93. Après, est-ce que au niveau de l'affrètement, est-ce que les lignes. J'ai reçu que c'est le dernier lot.
change de centre de bus et défaut, ce que je préfère. De CETEX, comme tu dis, toi, comme t'avais dit, ouais, puis Pépin, t'avais répondu, ouais, donc tout est bon. J'avais juste copié-collé ce qu'ils avaient mis dans l'article, donc. J'avais corrigé parce que j'avais mis 2015. Tu vois, le truc qui commence en 2019 à 2015. Oui, donc je me suis dit oui aussi. J'ai corrigé en même temps. Par contre, désolé, je me suis trompé sur le reste. Passage à niveau, ça. Ah bah là on fonce plus. Hein. Ah bah sur les 6 carreaux, non, ça va. Ah, c'est d'un moment. J'ai envie de dormir et de profiter des nuits. Parce qu'il m'a dit, il y aura des prochaines fois. Il n'a pas tort. Bon, je sais pas, il voulait. Oui. Il voulait sortir d'un jour. Où il passe très souvent, mais comme c'est rare, je le vois la prochaine fois, je vous dirai pas, je viendrai jusque là, j'étais en pyjama, le temps que je m'habille, j'aurai pas le temps. Il n'y a aucun point dans les phrases. Ah, on arrive à Shabbat. On est à Shabbat. C'est quoi le petit bruit qu'il fait? Il paraît que c'est la dompale. C'est, je sais pas, c'est spécifique à ce c'est comme les gens sur le site. C'est encore ça, tiens. Du sol de 427. Ah oui, pas. Sol de 427, j'ai vu sur un fistologe. Ah oui. Vous savez peut-être pas finir. Enjoy. Alors, enjoy, Félix. Le bus 201. C'est quoi ça maintenant? Ah mais non! Non mais j'adore ça, au début déjà, je vous ai vu ce bus. C'est pas souvent qu'il passe là, spécialement ce soir, où il passe très souvent, mais comme c'est rare. Spécialement ce soir où il passe très souvent, mais comme c'est rare. Il fait chaud, c'est bien. Ah putain, il est invisible. Non. Voilà. Je sais pas, je te fais une lampe. Et tu sais, je peux juste devenir un peu plus. Bon bah.
Merci pour l'hôtel, Jean-Marc. Ah, mais de rien, hein. Ça fera 5 euros. Je pense que vous voulez un iPhone 10. Ah, voilà, avec tout qui vaut. Ah, bah d'ailleurs, si tu veux, pas, si tu veux parler à Ray, profite. Ah, non, mais moi, je suis champion. On est mal d'adresse. Ah, mais t'as pas le mot de passe. Tu vois, on a des pilettes. Ah, des fois, je t'amuse à ouais, mais je me suis imaginé. Ouais, j'ai des pizzas, et toi, t'as un bon choix. Ah, c'est. Ouais, c'est ça. Je choisirais. Bon, du coup, on tape chicha. Hein. Ouais. On descend là. Ouais. 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 Jean-Marc. Ouais, bien. Bon, merci. Allez, Jean-Marc. C'est bon, vous avez du diesel là, allez vous servir à la sniffer. Vous avez du diesel là, autant la fumer. Ah, chouette, des pompiers. What the fuck? Ah merde, ça a coupé sur moi. On entend des papiers. Ah ouais, c'est les pompiers qui vont te faire les papiers maintenant. Ah ouais. La police est tellement désagréable qu'ils ont besoin des pompiers. Marche arrière! J'adore les gens. Après, les muscles, c'est pas très flagrant. Parce que les gens ici sont habitués. C'est juste qu'est-ce que ce bus fait là? Oh le monde! Normal, c'est pour l'ambulance, c'est pas pour les pompiers. En tout cas, c'était pas les... Mais en vrai, en fait, on a ces hybrides, tu les sens pas les pavés. Bien, nous allons arriver dans quelques instants au terminus commerce où s'achève donc le parcours du circuit C. J'espère que cela vous a plu. Pour les personnes intéressées, nous avons une partie de la boutique qui est à votre disposition. Nous vendons le calendrier 2019. Plus de 8 euros, avec également, il y a des paper bus, des maquettes à plier. Ah. Et nous avons un poster que nous vendons au prix de 2 euros, merci David, avec un cliché du Volvo 7000, numéro 242, lors de sa dernière sortie en juillet. Je pars filer en train de regarder. À l'avant du bus, auprès de notre trésorier. N'est-ce pas, monsieur? Et puis là, je vous souhaite une bonne soirée. Vous voulez des solaires de qualité? Achetez Systémie. Là, c'est toi qui fais vraiment la pub. 25 14 servent à carte au fond. Ouais, on donne tous les détails. Wesh. Désolé. Les personnes qui sont intéressées pour rejoindre la station Pierre-Mille peuvent rester dans le bus puisque nous allons parcourir une partie de la ligne 42 au départ de commerce. Donc les personnes qui sont intéressées peuvent rester dans le bus et descendre à la station Pierre-Mille. On va à Bourgo du Caudray. C'est la première fois que les 42 marchent à l'heure. Ça est probablement un seul. Et merci à tous et bonne fin de soirée. Et merci. Mais de rien. Et ta gueule? Non. Non. C'est tout.
d'ailleurs le nom. Non. Tranquille, hein. Tranquille, tranquille. Si, il en reste un, le jus de verre. Enfin, le jus de verre, on y roule pas. Il y a un fantôme dedans. C'est Halloween. Je sais pas. Je sais pas. Ça dit, tu sais pas. J'ai un emploi du temps très chargé.